Regardez attentivement ça, les gars. Vous avez vu? Regardez encore. C'est Dieu qui nous aide. C'est Dieu qui nous protège sur ses axes. Maintenant, écoutez ce qui s'est réellement passé lors de l'accident de notre frère Landringham. Écoutez attentivement. Quand je vous dis que 80 à 90% des accidents, c'est les mauvais dépassements. Écoutez ce qui s'est passé. Sur le lieu de l'accident dans le village Ngomo, à quelques enclavures d'Obala, sur la nationale numéro 4, il ne reste plus que quelques épaves du véhicule dans lequel se trouvait Landringhemo. Des curieux arrivés sur les lieux tentent de récupérer quelques effets personnels de l'ex-footballeur international, notamment sa sandale. La Suzuki Toyota dans laquelle se trouvait Landringhemo a complètement été broyée. C'était violent, personne n'a survécu. Il y avait deux personnes dedans. À l'intérieur, malheureusement, ça n'a pas été facile pour eux. Selon des témoins rencontrés sur le lieu de l'accident, le véhicule dans lequel se trouvait Landringhemo évoluait dans le sens Ebeda Yaoundé. Il a été percuté par ce camion Mercedes-Benz juste derrière nous qui, lui, allait dans le sens Yaoundé Ebeda. Le camion aurait tenté d'opérer un mauvais dépassement. Il s'est alors trouvé nez à nez avec la Toyota Suzuki dans laquelle se trouvait l'ex-footballeur international. Le RAFCA descendait. Il n'y avait plus moyen. Comme il y avait le virage ici, là. Le camion a pris, le RAF a pris. Le camion qui voulait faire un déplacement, puis il s'est tamponné avec la petite voiture. Il les a écrasés. Nous sommes à un endroit particulièrement dangereux. Il s'agit d'un virage. Et lorsqu'il est mal négocié, c'est le pire qui peut se produire. Les camions ici sont très souvent nez à nez avec des petits véhicules qui roulent dans le sens inverse. Le tournant, si c'est un tournant qui a déjà fait beaucoup d'accidents avec des camions. Chaque fois, il y a un accident ici. Chaque fois, je ne sais pas s'il faut les deux dents. Le tournant se dérange beaucoup plus parce que il y a la colline ici qui quitte là-bas en haut. Quand les 10 roues lancent là-bas, vraiment, c'est la catastrophe. Chaque jour, il y a des accidents ici. Après avoir commis son forfait, le chauffeur du camion Benz est introuvable dans la petite voiture, la Suzuki, dans laquelle se trouvait Landringhemo. Il y avait effectivement deux personnes, l'ex-footballeur international et le chauffeur qui le conduisait. Les corps, apprend-on, ont été conduits à la morgue de l'hôpital Adlouchem, Defok, non loin de Ngomo, par Obala. Ancien footballeur international, Landringhemo met un terme à sa carrière en 2020 après avoir porté la tunique des Lions de Notable pendant 13 ans, notamment de 2006 à 2014. Au total, c'est 42 sélections pour 3 buts. Depuis le petit village Ngomo, lieu de l'accident qui a coûté la vie à l'ex-footballeur international Landringhemo, Rodrigue Ngassi, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Ok, je crois que vous avez compris. Ce que je voulais juste présenter à certains usagers et certains chauffeurs, c'était juste cette petite vidéo que vous avez vue au début. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Donc, arrêtons d'être des chauffards et non des chauffeurs en route pour après accuser la route. Je ne veux pas dire qu'on a des bonnes routes, nous avons des pistes, mais ceux qui respectent le code de la route, qui roule normalement, échappe. C'est vrai que le cas de notre frère, ce n'était pas lui, il n'était pas à l'origine, mais le camion est sorti de son côté pour venir le retrouver. C'est toujours le mauvais dépassement. Donc si le camion n'avait pas fait un mauvais dépassement, notre frère serait toujours en vie. Voilà, si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous les gars. Likez la vidéo, partagez et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Famille, regardez vous-même la beauté d'une salle de fête. Regardez, regardez. On vous dit qu'on vous donne la salle de fête ici, de 300 places ici. Regardez, décorée comme ça, avec les couverts qu'on voyait là-bas au milieu. Regardez les jeux de lumière partout. On vous donne ça à 600 000 francs. 600 000, ce n'est pas les choses qu'on parle, les choses de la rue. Regardez vous-même comment la salle est belle. Avec des jeux de lumière partout. Regardez l'arsenal du DJ.
Regardez, c'est partout, regardez. Avec le tapis rouge comme vous voyez là, comme vous voyez là. Avec les chaises, les princesses et les princes ici. Tout ça comme ça, à 600 000 francs. C'est uniquement la salle de fête, au complexe Las Vegas, situé à Messassi. Oui, ici à Yaoundé. Oui, ce n'est pas la blague. Donc, venez rapidement, les gars, célébrer vos mariages ici, là. On vous donne encore une chambre de noces et une voiture pour porter les mariés. Hey, complexe Las Vegas, regardez vous-même. Avec les couverts, l'espace pour cuisiner derrière.